Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom Chaville, le podcast qui connecte les Chavillois. Pour ce nouvel épisode, nous vous proposons d'aller à la rencontre du restaurant Alibaba. Les restaurateurs subissent de plein fouet la pandémie de Covid-19. Ils ont dû revoir leur façon de fonctionner afin de continuer à servir les Chavillois qui, dans leur grande majorité, participent à leur soutien en consommant local. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour monsieur, je m'appelle Ali, propriétaire de restaurant Alibaba, ça fait un an et demi, qui est situé au 1712 avenue Roger Salengau. Quelle cuisine y proposez-vous et quelle spécialité représente le mieux votre restaurant ? Confectionnons une cuisine traditionnelle du Maroc. On peut y retrouver tous les grands classiques, la gastronomie marocaine, comme le couscous méchoui, bien sûr il y a des brochettes aussi, tout, plus les tagines et la pastilla. Vous avez, il me semble, une pastilla de lait. Ah ouais, voilà. C'est un délice, ça. C'est un dessert. Donc c'est un dessert. Oui, c'est une fruité croustillante avec la crème d'amande et amande que je fais moi-même, fait maison. Et tous les clients, ils l'adorent. La pandémie de Covid-19 a complètement changé notre façon de consommer. Qu'avez-vous dû faire et comment avez-vous ressenti la situation ? Aïe. Nous avons subi une baisse d'activité au début de la pandémie. On a adapté des horaires, voilà, qu'on fasse que vente à emporter. Voilà, c'est la seule solution. Et on a un site sur Internet que les gens peuvent commander. Voilà, on prépare la commande. Après, ils viennent pour récupérer leur plat. Bonjour, vous êtes cliente du restaurant Alibaba. Depuis quand le connaissez-vous et que venez-vous y chercher ? Ouais, ça doit faire à peu près un an qu'on a découvert ce restaurant au changement de propriétaire et en février dernier on est venu tester et l'accueil du gérant qui est très familial, très convivial et la qualité des plats nous a fait revenir assez régulièrement. Je vois que vous appréciez les restaurants chavillois. Avez-vous pris l'habitude de commander depuis la pandémie ? Effectivement, depuis le Covid, j'essaye de commander à peu près une fois par semaine sur des restaurants qui sont sur Chaville. Donc ça peut être Alibaba, comme La Scampia, comme Tilolise, comme d'autres restaurants où j'ai pas le nom en tête. Mais, donc voilà, donc régulièrement et on essaie dans la mesure du possible, de passer directement par le restaurant et non pas par les plateformes pour qu'ils puissent avoir un maximum d'argent pour eux et pas être taxés sur les plateformes. La situation sanitaire s'améliorant, le gouvernement souhaite rouvrir les restaurants prochainement. Avez-vous un petit mot pour vos clients ? J'ai hâte de retrouver mes clients, les recevoir avec un grand sourire et voilà, discuter, partager, leur servir. C'est un moment que c'est cela le service. On espère que le mois de mai, on ouvre. Et vous, connaissiez-vous le restaurant Alibaba ? Êtes-vous un acteur local en consommant chavillois ? Répondez à notre sondage et réagissez sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.zoomchaville.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Zoom Chaville, le podcast qui connecte les Chavillois.